t'aider de te chier un petit peu, là. Hey, t'es gentil, toi, on fait ce qu'on peut, on va au plus vite, là. Oh. Ouais, bah, on dirait pas, Bah, c'est pas notre faute si le réveil n'a pas sonné, Bon, allez. Bon, bah, on va ranger les sacs de couchage. Sois pas tranquille, un peu. Bah oui, bien sûr, on va les ranger. Allez, on y va. Allez. Bon, Anthony, ça te dérange pas qu'on range les sacs de couchage? Pas du tout, allez-y. Merci. J'y crois pas, celui-là. Tiens. Ouais, tiens. Et où c'est qu'on se met, ou... Je sais pas, moi, tiens, là, il y a de la place sur le bureau. Oh, c'est pas vrai, ça, mais... Elle est petite, cette chambre, aussi, là. Elle est peut-être petite, ma chambre, elle vous rend bien service, alors soyez sympa, Oh, le Jérôme, il est de mauvaise humeur, le Jérôme, Mais non, je suis pas de mauvaise humeur, mais arrêtez. Non, mais écoutez, comprenez-moi, il y a Justine qui arrive d'une minute à l'autre, vous êtes encore tous là, vous avez vu l'heure qu'il est, Oui, c'est bon. Je vais m'habiller dehors. Ouais, bon, allez, j'ai compris, je vais prendre ma douche. Dans cette ambiance, bonjour. Ouais. Bon, bah, moi, j'ai cours, il faut que je file. Pardon, ouais, okay, bouge pas, je prends ça. Ça. Sympa les mecs. Tu pourrais changer de gel douche, c'est pas terrible ça. Ouais, bah, on fait ce qu'on peut. Hein. Salut. Ouais. À tout à l'heure. Jérôme. Salut Jérôme. À tout à l'heure. Salut. Ouais, je comprends pourquoi ils étaient aussi pressés de partir. Allez, au boulot. Ma nouvelle façon de dire bonjour. Tu aimes? T'as de la comme réponse? Très bien. Attends, mais... Il y a un ouragan qui est passé par ici? Ah non, trois ouragans. Ah oui, c'est vrai que vous dormez à quatre maintenant. Eh oui. Bon, eh ben, je vais t'aider parce que là... Ah non, c'est bon, laisse la jeune débrouiller. Bah, tu rigoles, dans un couple, on partage tout. Ah. Ils sont gonflés de t'avoir tout laissé quand même. Bah oui, mais ils étaient un peu pressés alors. Bah enfin, peut-être, mais t'es pas leur femme de ménage. Bah non, mais c'est pas grave. Un petit peu d'exercice le matin, ça fait pas de mal. Ça fait partie du cours de gym, ça? Exactement. Excuse-moi. Excuse-moi Jérôme, mais je me suis trompé de veste et en plus j'ai oublié mon classeur. Ah oui, Mais vas-y, je t'en prie. Bonjour Justine, excuse-moi, je suis désolé. Non, mais je t'en prie. Mon classeur. Voilà. Bon, bah, j'ai tout. Hein? Bah, c'est bon alors. Je vais y aller. Ok, vas-y. On va salut. Vas-y. Salut. Salut Justine. Ciao. Et voilà. Oh, c'est pas très pratique quand même. Ah bah oui, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut? Il a dû oublier quelque chose. Oui, bah. Oui, je viens poser ça. Bah oui, bien sûr. Oh, Justine. Oui, bonjour, oui, ça va. Tu pourrais ranger ce sac quand même, Jérôme. Oui, bien bon, sûr, c'est tiens, allez. Oui. On se voit tout à l'heure? Tout à l'heure, ouais, ciao. Salut. Bon. Où on était déjà? Là. Dis rien. Chut. Keep quiet. Qu'est-ce que tu veux? Moi, bon, rien, je... Salut, Justine. Oui. Salut. Ça va? Non, je voulais juste savoir, par contre, dis-moi, à quelle heure tu penses libérer ta chambre? Je sais pas du tout. Salut. J'y vais, alors. Ouais. Bon, eh ben, c'est bon, ils sont tous passés, Je crois qu'on va pouvoir être tranquille. Eh oui. Le beurre est pas près de toi, Virginie, par hasard? Non. Excuse-moi, Annette, mais tu n'aurais pas vu le beurre, par hasard? Non, mais tenez, voilà. Il y a la margarine. De toute façon, le beurre, c'est pas bon. Je suis désolée, Annette, mais je préfère de beaucoup le goût du beurre. Bon, comment je peux faire, moi, pour faire mes petites annonces? Tranquille, si vous me dérangez toutes les deux minutes, là. Mais écoute, si on me dérange, c'est qu'elle est au salon, Ah bon? Et comment je fais, moi, pour prendre mon petit déjeuner et pour surveiller Monsieur Girard si je suis dans le salon? T'inquiète pas pour moi, Annette, Non, fais pas de soucis. Mais au fait,
Tu cherches quoi, là, dans les petites annonces? Bah, je cherche un nouveau petit boulot. Ah. Ouais, non, parce que j'ai pas envie de rester inactive. Ah, mais elle est pas mal du tout, celle-là. C'est bon? Et c'est quoi? Bah, attendez, écoutez, je vais vous la lire. Ouais. C'est une petite annonce pour élever des grenouilles pour un laboratoire. Ah, mais c'est horrible, Annette, arrête, écoute. Oh, bah, pour couper l'appétit, c'est parfait. Annette, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Bah pourquoi je peux pas faire ça? Des petits têtards, c'est mignon. Puis, et ben dans un bocal, et ben ça prend pas de place et puis c'est pas sale. Mais écoute Annette, arrête, pas au petit déjeuner, non. Et ben oui, comme tu dis Annette, enfin les petits têtards après, tu sais bien que ça devient des belles grenouilles. Et puis dans les laboratoires, tu sais que sur les grenouilles, on fait plein d'expériences. Ouais, oui, on les découpe vivantes, enfin on les dissèque. Ouais, et après, on les vend dans les restaurants pour les cuisses de grenouilles. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Bah, il y a que j'ai plus faim. Excusez-moi, voilà. Non, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir faim pour rester. Ah, bah, j'y vais. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Bah, remarquez, peut-être qu'elles aiment pas les cuisses de grenouilles, hein. Moi, c'est dommage parce que les cuisses de grenouilles, eh ben, c'est un des plats les plus fins de la cuisine française. Avec les escargots, évidemment. En tout cas, ça m'a donné faim, moi, tout ça. C'est Harry. Ouais. Bon, moi, je vais finir de me préparer, d'accord? Bon. Salut, Annette. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour, Harry. Bonjour, bonjour. Vous avez... Oh là là, je mange trop vite. Ouais, hein, vas-y. Vous avez déjeuné? Oui, oui, oui. Ah bon, par contre, moi, j'ai pas eu le droit à mes petites brioches. Elles ont l'air... Ah bah oui, elles sont... Hein? Bah, asseyez-vous. Merci, monsieur Girard. Profitez-en, allez-y. Ah. Harry, t'es pas venu ici pour prendre ton petit déjeuner, hein? Bien sûr que non, c'est vrai. Est-ce que t'as cherché une idée pour un nouveau petit boulot? Ah, bah, pas vraiment. Non, mais c'est pas vrai, ça. Il faut que je fasse tout, moi, ici. C'est pas possible, ça, quand même. Bon, allez, Harry, hein? On perd pas de temps. Tu prends ça, s'il te plaît. Oui. On va aller acheter d'autres journaux et on va éplucher toutes les petites annonces. Toutes les petites annonces. Bon, allez, vous dépêche, Harry. À tout à l'heure, monsieur Girard. Oui, ben, à tout à l'heure. Allez. Toutes les annonces. Bon, allez, viens. Non, écoute, c'est plus possible. Tu vas quand même pas faire la tête toute la journée, non? Mais on est tranquille maintenant, je t'assure. Mais oui, bien sûr, on est tranquille. Et au moment où on va s'embrasser, on va frapper à la porte. Mais non, ça y est. Bon, arrête. Écoute, Jérôme, depuis une semaine, on n'a pas été une seule fois tous les deux tranquilles. Alors maintenant, ça commence à bien faire. Je sais, mais écoute, c'est mes copains, je peux quand même pas les jeter à la rue. Non, mais c'est bien ce que je dis. Tu préfères tes copains à moi. Mais non, mais pas du tout. Mais si. Si. Tu peux quand même pas les mettre dehors, hein? Alors, je te demande pas de les mettre dehors. Je te demande juste si... Est-ce qu'on pourrait être tranquille un petit moment? Bon, écoute, je te promets, je vais leur en parler. Ok, ça te va? Moi qui souris. Oh, si, ça y est, la souris. Non, j'ai pas souri. Oh, bah tiens, me mens pas, je l'ai vu. C'est quoi, ça, hein? Ça se voit, c'en est un. Tiens. Tu vois, on a même réussi à s'embrasser tranquillement. On a intérêt à en profiter. Et oui, on va en profiter. Alors là, cette fois-ci, c'est trop. C'est peut-être le facteur. Mais bien sûr. Vous êtes encore là? Mais oui, tu vois. Bon, ben, je vous présente Noémie. Salut. Jérôme, Justine. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est sympa ici. C'est sympa. Bah bon, vous dérangez pas, on va se faire tout petit. Noémie, tu peux t'asseoir en bout de lit, là. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien. Voilà. Bon, alors, Jérôme, tu fais quelque chose maintenant. Bah oui, mais quoi, tu me fais rire. On n'a pas grand-chose, tu sais, c'est tout petit, on n'a pas eu le temps de s'organiser, mais... Oui, alors, c'est tout petit, on n'a pas grand-chose, mais en bas, il y a un grand café. Ouais, mais c'est moins sympa, hein. Oui, Noémie a raison, ouais, c'est beaucoup moins sympa. Attends, je vois, je crois qu'il reste un peu de jus d'orange. Ah bah tiens, voilà, une petite brique de jus d'orange. C'est pas très frais, mais enfin bon. Hein? Ça fera l'affaire. Ah, oh, et en plus, c'est une paille. Bah oui, c'est pour boire, tu sais, hein, c'est... C'est
t'es encore le facteur, là. Hein? Ah bon, pourquoi? Vous attendez un colis? Je sais pas, je vais voir. Oh, mon GG. Ouais. Mais, oh, bah, vous êtes tous là, mais c'est super, ça. Il manquait plus de toi. Bah, ça va, on dérange pas, hein? Pas du tout, vous ne dérangez pas du tout. Alors, mademoiselle, super. Je vous en prie, soyez pas timide, plus on est de fous, plus on rit. Jérôme, regarde, tu vas être content, tous tes copains sont là. Alors, moi, je vais te laisser profiter d'eux, hein? Tranquille, Justine. J'ai beaucoup de choses à faire, voilà, alors tu m'excuses, au revoir. Mais Justine! Elle est fâchée? Ah! Écoutez, je crois que j'en ai une, là. Alors. Mère célibataire, jeune et moderne, cherche babysitter, homme. Jusque-là, tout va bien. Libre tous les soirs pour garder son adorable bambin. Rémunération à débattre, prière d'envoyer photos récentes et lettres de motivation au journal. Je me verrais bien babysitter, moi, non? C'est pas mal ton annonce, ah. Larry, je trouve. Non, mais vous voulez dire qu'elle est gratinée, ouais? Non, mais c'est pas un babysitter qu'elle recherche, c'est un mari. Mais Harry, faut être sérieux 5 minutes, quand même. Faut qu'on trouve quelque chose. Dis-moi ça. Oh... Je cherche, Annelle, je cherche, mais tu sais, par trouver des postes d'ingénieurs qui sortent de Polytechnique ou des annonces pour femmes de ménage, moi, je trouve pas grand-chose. Excuse-moi. Ah bah attends, j'en ai une là. Ah. Alors écoutez, recherchons jeune consommateur, 18-25 ans, pour un test comparatif de mayonnaise. La mayonnaise. Ouais. Et attends. Alors, bonne rémunération en fin de journée. Ah bah ils ont besoin d'intérêt, hein, parce que c'est soit tu finis à l'hôpital, ou dans ton lit avec une bonne caisse de foie. Attends, mais qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux travailler, oui ou non? Bon, je veux bien travailler, mais je vais pas accepter non plus n'importe quoi et démolir mon estomac pour un peu d'argent, hein. Eh, moi non plus. Ah non, parce que alors là, bon, ça aurait été des hamburgers, je dis pas. Mais alors, la mayonnaise, moi j'en garde un très très mauvais souvenir. Je me rappelle une fois, j'ai passé tout le week-end au lit. Bon, et je... Harry, c'est toi, tu vas pas nous raconter ta vie. C'est moi, mais... Salut. Oh, salut. Salut. Bah, Justine n'est pas avec toi? Bah non, je pensais qu'elle serait là. Ça va pas, c'est bizarre. Vous vous êtes disputé? Non, elle est partie furieuse de la chambre. Ah bon? Mais pourquoi? Ah bah, ça, vous vous êtes disputé, sinon elle serait pas partie furieuse, elle est, hein? Mais non, c'est pas disputé, non. Non, elle est pas partie comme ça. Elle est partie pour une bonne raison. Qu'est-ce que tu lui as fait? En fait, c'est Anthony et Luc qui ont débarqué dans la chambre avec une fille chacun et... Ah bien. Elle est partie en se plaignant qu'on était jamais tranquille, voilà. Ah bah ouais. Elle a pas tort, hein, mets-toi à sa place. Bah oui, mais enfin quand même. C'est bizarre que ça va passer ici. Non, elle devait se douter que c'est le premier endroit où je viendrais la chercher. Ouais, puis elle avait sûrement pas envie de te voir, hein. Non, elle doit être à la maison. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Eh ben, à mon avis, tu vois, tu peux récupérer ta chambre. Oh, voilà. Net, écoute. Mais quoi, c'est vrai, ça va durer combien de temps, cette histoire d'hébergement, non? Bah, je sais pas, mais je peux quand même pas les mettre dehors, Annette, enfin. Bon, écoute, peut-être que tu peux pas les mettre dehors, mais enfin bon, il faudrait que tu récupères ta chambre, et d'urgence, parce que moi, tu vois, je connais Justine. Et elle va continuer de faire la tête si ça continue comme ça. Et elle aura pas tort. Bon, enfin, il a raison, Annette, il peut quand même pas mettre ses copains dehors. Bon, Harry, tu vois, ça te regarde pas. Okay? Oui, je cherche. Non, ce qu'il faut, c'est que tu récupères ta chambre et vite fait. Bon, d'accord, ce sont tes copains. Mais ils peuvent bien se trouver un studio, des chambres. Regarde, il y a que ça dans les journaux. C'est pas compliqué quand même. Ouais, mais je peux pas les forcer à trouver un appartement comme ça. Ouais, toi, tu peux peut-être pas, mais moi, je peux. Alors, moi, je vais leur en trouver un et je vais leur parler. Bon, Harry, tu te mets à chercher, s'il te plaît. Je fais que ça, Annette, je fais que ça. Tu cherches. Ok. Merci, monsieur Girard. Au revoir. Alors? Elle est pas chez elle non plus. Je sais vraiment pas où elle est. Non, t'inquiète pas, Jérôme, ça va s'arranger, écoute. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'elle avait un petit peu raison quand même. Ce matin, c'était l'enfer. Il y avait une ambiance genre hall de gare dans la chambre. Ça va pas durer éternellement, ils vont bien finir par partir de toute manière. Ah oui, ça, oui. Puis avec Annette, ça risque d'être beaucoup plutôt prévu. Salut. 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 Alors, c'est arrangé avec Justine? Bah je sais pas où elle est. Elle est vraiment fâchée? Bah il faut croire, oui. Ouais, bah tout ça c'est notre faute quand même, hein. Faut pas dire que... Là je crois qu'on devient vraiment envahissant quand même. Bon, on ferait peut-être mieux de partir. C'est vrai, ça vous embête pas? Si. Mais bon, bah... Je veux pas risquer de briser un si beau couple. Ouais.
Écoutez, c'est vraiment super sympa parce que j'osais pas vous le demander. Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah c'est pas tout ça, on va se dépêcher de trouver un appartement, hein. Là, vite. Je sais pas comment on va faire, mais bon. Non, vous inquiétez pas, Annette s'est chargée de tout. Annette, mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, je comprends pas. Bah, quand elle a appris ce qui s'était passé ce matin, elle s'est dit que c'était la meilleure solution. Elle a pas changé, toujours la même. Bah écoute, mon vieux, je crois qu'on peut se rasseoir et puis se tourner les pouces. Ah, moi, de toute manière, c'est le métier que je préfère, donc je vais commencer tout de suite. Comme ça. C'est génial. Ouais. Bon, alors, vous avez trouvé? Ah, c'est super. Oui, on a trouvé. Tu avais raison, Tony. Je te l'avais dit, tu vois. C'est comment, cet appartement? Expliquez. Hein? L'appartement. Oui. L'appartement, bah... Oh, ouais, ah non, on n'a pas trouvé. Ah non, non. Bah, qu'est-ce que c'est génial, alors? Ah, c'est parce qu'on s'est trouvé un petit boulot. C'est ça, d'accord. Ah bah ouais. Bah oui, parce qu'on a vu plein d'appartements dans des états, mais lamentable. Ouais, et ils sont à refaire. Alors on s'est dit qu'on pourrait faire les chantiers. Voilà. Enfin, je me suis dit, et Harry s'est dit que c'était une super idée. Ouais, super. Ouais. C'est vraiment génial, c'est super. Enfin, en attendant, ça résout pas notre problème. Ouais, moi, je sais toujours pas où est Justine. Ah bon, pas de nouvelles? Bah non, j'ai appelé chez elle, Monsieur Girard m'a dit qu'elle était pas là. Ouais, et ben, à mon avis, elle est là-bas. Et elle a fait dire à Monsieur Girard le contraire. Bon, allez, on y va. Oui, Annette, avant de partir, je peux m'asseoir une petite seconde parce que moi, avec tous les escaliers que j'ai montés, je suis vraiment fatiguée. Merci, Annette. Harry. Oui. Debout. Debout. On y va. Tu te reposeras plus tard. Bon, allez, on y va. Allez, on y va. Et vous aussi. Allez, viens, Jérôme. Tu es sûr que ça va pas l'embêter? Mais non, t'inquiète pas, je vais lui parler et tout va s'arranger comme d'habitude. Moi, ça me dérange un petit peu quand même. Écoute, t'en fais pas, on va lui dire qu'on s'en va et tout va rentrer dans l'ordre, Jérôme. Oui, on va s'excuser, elle va comprendre. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Harry. Ah. Mais je rêve ou quoi? Quoi? Non, mais c'est pas le moment de dormir, hein. Et puis, il faut laisser de la place pour les autres, allez, pousse-toi. Tout de suite, Annette, tout de suite. Non, mais je suis sûre qu'elle est pas là. Bah, pourquoi tu dis ça, Virginie? Parce que Roger, il aurait jamais menti. On va vérifier ça tout de suite. Ah, bonjour les jeunes. Eh ben, vous êtes tous là? Ouais. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour, Jérôme. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour, Harry. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites tous ici? Bah, on est venu chercher Justine. Justine? Je croyais qu'elle était avec vous. Ah, bah, vous voyez, j'avais raison. Non, attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Justine et moi, on s'est un petit peu disputés et... Ah bon? Enfin, bon, rien de grave, hein, vous inquiétez pas, mais... Enfin bon, c'est-à-dire que... Elle en a un peu marre que Anthony et Luc habitent chez Jérôme. Vous comprenez? À notre âge, on a besoin d'un peu d'intimité. Ah ouais, bien sûr. Oui, effectivement, Jérôme, j'ai appris que vous viviez à quatre dans votre studio, c'est et oui. ça? Mmh. Oui, enfin, monsieur Girard, vous savez, c'est provisoire. Jérôme nous a hébergés pour nous dépanner le temps qu'Anthony et moi nous trouvions un appartement. Oui, enfin, ouais. Ça fait quand même une semaine que ça dure, ce dépannage. Vous avez intérêt à vous dépêcher de trouver un appartement quand même. Oui, mais c'est difficile en ce moment. Ah, pour chercher, on a cherché, mais alors pour trouver. Allez. Ouais, j'imagine. Mais attendez, quel style d'appartement vous cherchez? Bah, on cherche un petit deux pièces ou un grand studio, ouais, quoi. Voilà, ouais. Mais alors surtout, un petit loyer parce que. Ouais, petit, ouais. Ah, mais attendez, j'ai peut-être ce qu'il vous faut, moi. Ah bon? Ah oui, oui. Oui, parce que figurez-vous que le premier assistant réalisateur d'Amour Toujours part aux États-Unis. Et il laisse son studio. Un studio? Oui. Mais c'est parfait, ça. Et pas plus tard que ce matin, il m'a encore demandé si quelqu'un ne cherchait pas un studio à louer, alors... Bah, super, oui, voilà. Ça serait vraiment c'est génial. Monsieur Girard, vous êtes génial. Annette, t'es gentil. Eh ben, je vais l'appeler. Oui, hein. Oui, voilà. Ah, bah... Allô? Oui, ma chérie. Oui, ne quitte pas, je te le passe. Jérôme, pour vous, Justine. Merci. Allô, Justine? Oui, bah... Non, je suis vraiment désolé pour ce matin. Ok. Bah, t'es où, là? Ah bon? Bon, bah, bouge pas, j'arrive. Ok, je t'embrasse. Bon, bah, elle est chez moi, donc je vais la rejoindre. Ah, super, tu vois? Tu vois, fallait pas t'inquiéter, Jérôme. Bah, tu vois, je te l'avais dit que ça allait s'arranger. Au fait, monsieur Girard, oui. Ça serait bien de téléphoner à votre premier assistant réalisateur pour l'appartement, parce qu'on sait jamais s'il le loue en attendant. Ça serait une bonne chose, je pense. Mais Harry, tu pourrais pas
peut dire n'importe quoi. Ah, mais c'est évident que Luc et Anthony vont l'avoir, cet appartement, n'est-ce pas? J'espère. Non, mais écoute, Annette, Harry a raison, il vaut mieux se dépêcher, tu sais. Non, puis moi, ça m'arrangerait parce que je me vois mal laisser berger encore une semaine. Justine n'apprécierait pas tellement. Vous inquiétez pas, j'ai son numéro, je l'appelle tout de suite. Ok, bah moi je file. Allez, hein. À bientôt. Ouais. Salut. Bon, allez. Monsieur Girard. Oui, Annette. Heureusement que vous êtes là, hein. Tu sais, Annette, là, c'est vraiment un pur hasard, hein. Non, non, vous êtes génial, c'est tout. T'es gentil. Bon, allez. Allez, on y va. Allez, vite, vite, vite. Ah, tu sais, je t'ai cherché partout. Bon, t'étais où? Mais j'étais furieuse, alors j'ai marché comme ça dans les rues au hasard. C'est pour ça que maintenant j'ai mal aux pieds. Bah, donnez-moi, je vais les masser. C'est vrai? Bah, tiens. Mmh. Maintenant, en plus, on va être tranquille, ils ont trouvé un studio. Oui. Ça fait du bien. Mmh. Puis moi, je suis contente parce que comme ça, je vais d'abord tout entier pour moi toute seule. Mmh. Ça commence bien. Hein. Allez. Ah, excusez-nous, mais on passe juste pour se changer, hein. Oh oui, on est invité ce soir chez les Gérard à dîner, donc on va pas vous déranger pour l'instant. Ouais, comme ça, vous serez tranquille. Oui, hein? On est là pour une minute. Ouais, une minute. Super. Ouais. T'en fais pas, Justine. Non. Oh, mais je vais pas vous manger. Attention, c'était tellement... Tiens, celui-ci, c'est bien. Hein? Ouais, c'est bon. Bon, bah voilà. Non, mais c'est bon, hein, prenez votre temps. Non, non, moi c'est bon, moi j'ai tout. Hein, ça, c'est bon? Ouais, ça bon, va. Moi aussi, ça va. Bon, bah, hey, les amoureux. À plus tard, hein. Bonne soirée. Oui, amusez-vous bien. Salut. 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 Et en fait, hey, pas de bêtises, hein. Non. Jérôme, attention, fais confiance. Tu es sérieux? Ah, ils sont vraiment sympas. Me dis pas que tu les regrettes. Ben si, un petit peu. Les filles. Bon, allez, arrête, Jérôme. Oh. Embrasse-moi, on va enfin être tranquille. Allez. Bon, bah, c'est pas une bonne idée. Coucou, Luc. Ah, je ne suis pas chez Luc. Tu me fais vraiment craquer.